Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur le jeu Journey to the Savage Planet. Alors, ce jeu nous met dans la peau d'un explorateur spatial pour une compagnie donc spatiale, et notre mission sera d'explorer la planète ARY-26 pour découvrir si elle est habitable par les humains. Donc, on va se lancer dans le mode donc solo et on va voir ce que ça donne. Le jeu est sorti il y a un an à peu près. Mais il est disponible donc sur Steam depuis le 28 janvier donc de cette année. Allez, on est parti. Donc un seul joueur, emplacement vide, emplacement 1. Alors, sélectionnez le type de jeu. Normal, la façon normale de jouer à Journey to the Savage Planet. Le meilleur endroit pour commencer ton aventure ou fais-le à l'ancienne avec un nombre de vies limité et un chrono. Les données sauvegardées seront supprimées quand le mode est terminé ou en cas d'échec. Donc on va partir sur le mode normal. De partie normale, partie principale, extension, d'accord. Ok, jouer. Salut, je m'appelle Martin Tweed, je suis PDG de Kindred Aerospace. Merci de participer au programme Pioneer. Depuis près de 30 ans, Kindred s'efforce d'aider l'humanité à élargir ses frontières. Et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considèrent aujourd'hui comme la quatrième meilleure entreprise d'exploration interstellaire. Depuis nos débuts comme fabricants de batteries et de panneaux solaires conçus pour les climats extrêmes, en passant par notre gamme de chaussures de sport et nos chics vêtements de survie, on travaille d'arrache-pied pour faire avancer l'humanité. Des profondeurs des océans et maintenant, parmi les étoiles! La prochaine étape, c'est de passer de la simple exploration à la colonisation planétaire, puis pour ça, on a besoin de toi. Nos scientifiques ont identifié plusieurs planètes qui pourraient accueillir la vie humaine. Voici la tienne. ARY-26. Ta mission consiste à explorer la surface de la planète, à répertorier ses formes de vie, ses menaces et ses ressources, et à envoyer les données collectées à l'équipe de scientifiques de Kindred qui en feront l'analyse. Plus tu feras de découvertes, et plus on pourra guider tes recherches et préciser les objectifs. Pour toi et ton ami, si t'en as. J'aimerais aussi te dire que tout a été mis en place pour t'offrir le séjour le plus sûr et le plus agréable possible. Mais les récentes coupes budgétaires et la nature inconnue des obstacles à surmonter nous obligent à t'envoyer en mission sans trop d'équipement. Mais pas de panique. Ton module d'habitation est équipé d'une imprimante 3D. Capable de transformer n'importe quel vieux débris spatial en objet bien utile. Ah, j'allais oublier. Toute ton essence a été utilisée pour le chemin entre la Terre et ta planète. Tu devras donc découvrir une ressource locale et la raffiner en carburant approprié. À moins, bien sûr, que tu décides de quitter la Terre pour toujours. Bon, je veux surtout pas gaspiller ton précieux temps. Je suis sûr que t'as très hâte de partir explorer. Je te souhaite bonne chance. On va t'envoyer des nouvelles sur ta progression à mesure que tu réaliseras tes missions de reconnaissance. À bientôt et meurs pas là. Les longs voyages spatiaux ne sont pas faits pour tout le monde. Des effets secondaires inhabituels peuvent être ressentis, entre autres mal de tête, nausées, diarrhée, vomissements, étourdissements, dysenterie, douleur à l'abdomen, varices, sang dans les selles, sentiment de vide, de désespoir, arthrose, hémorroïdes, diabète, amnésie, confusion sur son genou, prolapsus dentaire. Salut, je m'appelle Echo et je suis là pour t'aider et te guider tout au long de ta mission. Mais commençons par le commencement. Connecte-toi à ton ordinateur pour remplir un petit questionnaire. C'est une simple formalité, juste pour s'assurer que tout va bien côté santé mentale. Ok, petite coupure, le temps de trouver un câble USB pour brancher mon casque. Donc, on devait trouver l'ordinateur. Remplis le questionnaire sur l'ordinateur. Ouais. Sinon, je peux pas t'ouvrir la porte. Ok, attends, attends. Ni allumer la lumière, ni te nourrir. Communication, ok.
Print imprimante. Ok. Là, il y a quoi? Faire décoller. On va pas toucher ça, on sait jamais. Ok. Ni allumer la lumière, ni te nourrir. Bah, il est où mon repas? La seule bouffe dans tout l'univers qui goûte exactement le son café. Ah, ok. On a un inventaire là-dedans. Journal, personnage. Ok. Ok, donc l'ordinateur qui est là. Ah. Nouveau rapport. Bienvenue, on dirait que tu as réussi, bravo. Conformément aux termes du contrat permettant aux employés de Kindred de bénéficier du programme expérimental, il est obligatoire de transmettre des rapports réguliers tout au long de ta mission. Commençons. Une de mes tâches consiste à évaluer régulièrement ton état mental. Et comme le mal de l'espace a touché quelques-uns de nos explorateurs récemment, j'aurais besoin que tu t'identifies à partir de cette galerie de visages, s'il te plaît. Ouais. On va prendre, je sais pas moi. C'est n'importe quoi. Tiens, on va prendre lui. Merci, je suis vraiment contente de voir que t'as pas perdu la tête. Merci de ton attention, explorateur J75X321. C'est la fin du rapport. Appuie sur le bouton soumettre pour envoyer tes réponses au centre de données. Une fois qu'elles seront traitées, profite bien de ton aventure et reste en vie. Ok. Éléments à collectionner. Toutes les cartes. Ok. Recherche extraterrestre. Des stats. Ok. Des vidéos. Ah, c'est celle qu'on a vue. D'accord. Message. Bienvenue de la part de Kindred Aerospace. Bonjour, insérez le nom de l'explorateur. Bienvenue au premier jour de votre aventure extraordinaire. Nous sommes plus que ravis de t'accueillir sur le nom de la planète. Tu es un rouage essentiel de la grande quête intersidérale Kindred. Et tous nos espoirs reposent sur les courageux explorateurs qui, comme toi, retournent chaque pierre, scannent chaque petit brin d'herbe et étripent chaque bête à la recherche de précieuses matières premières afin d'enrichir notre base de données et d'offrir à l'humanité l'opportunité de rayonner et de prospérer à travers l'immensité galactique. Ok. Toute son existence, l'humanité est restée prisonnière de la Terre. Nous pouvons élever la race humaine au-delà des confins terrestres. Nous pouvons peupler l'univers et nous avons besoin de toi. Sincèrement, Martin Tweed, fondateur et PDG. Ok. Ok, alors j'ai pas un inventaire ou quelque chose comme ça. Genre personnage. Ceinture utilitaire de base. Ok, je peux y avoir aucun objet. Alors, juste une chose. Ok, ça se trouve là. Donc ça, tenir ou activer, désactiver. Mode course à la manette. On va vers activer, désactiver. Ok. Donc maintenant on peut y aller. Hop là. Téléport danger. Utiliser le téléporteur. Site d'atterrissage. Hot garbage. Continue d'explorer dans les jeux. Ok. Bienvenue sur ARY26. Ça ressemble pas vraiment à une planète. On dirait plus
face à un gigantesque champ de roches. Cette mission devient soudainement 10 fois plus intéressante et 2 fois plus dangereuse. Pour faciliter tes travaux d'exploration, le Javelin est équipé de plusieurs petits drones robotiques capables de scanner le monde qui t'entoure. Tu peux les faire démarrer en ouvrant le panneau extérieur. Ok, alors attends, est-ce que on a... C'est ici, donc est-ce qu'on a un journal? Alors on a plusieurs missions, explore la planète, donc utiliser le scanner, ok. J'ai été envoyé sur cette planète pour découvrir si elle est habitable par l'homme à l'aide de la plus récente technologie de Kindred. Je dois scanner l'environnement et créer une base de données que je transmettrai à Kindred. Et ensuite, protocole d'atterrissage, lancer les cartographes. Tous les vaisseaux extrasolaires de la flotte de Kindred sont équipés de drones robotisés que l'on appelle cartographes. Il s'agit de petits drones automatisés qui peuvent explorer la planète de manière primaire et faire un compte-rendu sur les différents sites ou les lieux contenant des ressources si j'en ai besoin. Ok. Donc on va juste faire ça. Juste, je veux tester. Qu'est-ce que ça fait alors? D'accord, ça c'est une espèce de scanner. En bas. Ok, en bas c'est pour courir. Et qu'est-ce que ça fait si je balance cet engin par terre? Ah ok, c'est un appât, d'accord. Ah ok, c'est écrit là, appât. Ok, donc ça c'est pour se baisser. Pour mettre des coups. Est-ce que je peux annuler? Non, je peux pas annuler, je crois. Ok, si c'est bon. Donc, il faut qu'on active ceci. Voyons voir. Interagir. Oups. Ah. Coucou. Bon, ben au moins, ça fonctionne. Donc... N'oublie pas de scanner régulièrement ce qui t'entoure. La caméra transmettra les données à Kindred qui, en retour, t'enverra des schémas pour plein d'affaires. Après, t'auras juste à récupérer des affaires pour fabriquer les affaires des schémas et ces affaires t'aideront à survivre face aux affaires que t'auras pris en photo. Ok, d'accord, d'accord. Le panneau extérieur a dû se décrocher durant l'atterrissage. Je marque sa position sur ta boussole pour que tu puisses aller le chercher et scanner. Ok. Si tu perds, toujours appuyer sur le bouton rapport pour réafficher son emplacement. Ensuite, il y a ça. Les réservoirs sont intacts, mais vides. Si tu réussis à trouver une source de carburant, tu devrais pouvoir revenir à la maison. Sinon, ben, félicitations! Bienvenue chez toi! Ok. Ici. Ok, y a-t-il autre chose? Panneau manquant scanné. Alors apparemment, il y a autre chose qu'il faut qu'on scanne. Ok, c'est un distributeur d'appât. Cette machine te copiera dans sa mémoire et effacera ton corps avant d'imprimer une copie 2 mètres plus loin. Ok. Alors apparemment j'ai oublié quelque chose. Est-ce que c'est là? Non, j'ai pas l'impression. Pour voir les objectifs. Je vais voir. Ok, donc sinon non, il faut qu'on aille le chercher. Le scanner, donc explore la planète, aller-retour. Tout le carburant du Javelin a été utilisé lors du voyage vers ARY-26 à cause des défis budgétaires récurrents associés aux tentatives de réduction du poids à bord de la navette au décollage. Si jamais je parviens à trouver un moyen de rentrer sur Terre, alors je poursuis ma mission principale. Je devrais aussi trouver une source de carburant locale adaptée pour que les cartographes en récupèrent et la traitent. Ok.
D'accord. Donc juste, je voulais tester un truc, puisqu'après on va partir apparemment. Voir ce qui se passe si on appuie sur décollage. Hop là. Là où il y avait un bouton décollage, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Ok. Allez, on repart. Donc c'est mort et il faut du carburant. 50 degrés là? Ouais. Donc on peut récupérer apparemment des appâts. Non, 3, d'accord. Alors, par où c'est qu'il faut qu'on s'en aille? Par là, donc là, je suppose que c'est même pas la peine. Pas plantacule, Tantaroso, grosse différence. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? On peut scanner? Ouais. Une structure cristalline aussi jolie que fragile. Ok. Ça m'a fait peur, c'est quoi ça? Ok, attends, bouge pas. Il y avait un trou là, est-ce que ça mène quelque part? Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça, voilà. C'est notre panneau manquant. Bon travail. N'oublie pas d'utiliser le rapport pour t'orienter dès que ça devient compliqué de trouver l'objectif sélectionné. Le javelin est presque intact. Il y a juste besoin de réparations mineures. Au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour. Ah, les cartographes ont trouvé un alliage extraterrestre qu'on pourrait utiliser pour réparer le vaisseau. Attends, je vais le marquer. Eh ben, on dirait que tu vas avoir besoin d'un nouvel outil si tu veux aller plus loin. J'ai ajouté un nouveau schéma à l'imprimante 3D du Javelin. Ça devrait faire l'affaire. Mais pour l'imprimer, il va falloir que tu récupères quelques ressources de base provenant de la faune locale. Ok, d'accord. Donc l'objectif est de... J'ai... non, pardon. Si tu veux briser la surface fragile... Si je veux briser la surface fragile, j'aurais besoin de fabriquer un pistolet. Ah, intéressant. Mais pour en imprimer un, j'aurais besoin de plus de carbone. Ok, bon, on va aller chercher du carbone. 31 mètres par ici. Alors, est-ce que c'est méchant ces engins-là? Oh là. Donner une claque ou un coup de pied, maintien et relâche pour donner une méga claque. Ok, ça c'est du carbone. Ok, c'est sympa. Pour voir. J'avoue que là, pour le coup, c'est un peu... Voilà quoi. C'est particulier, mais c'est sympa. Non, alors, je vais pas lancer, je vais scanner. Voyons voir. Ok, de la santé, très bien. C'est méchant? C'est pas méchant. Ah, c'est sympa ça. Tiens, regarde, en échange, cadeau. Ah, c'est vrai qu'ils sont pas méchants en fait. Bah vas-y, tiens, je te donne un autre. Allez. Nous, on va se faire un pistolet. Donc, il faut que j'aille où? À l'imprimante, j'imagine. Ok, l'endurance est en haut. Très bien. On va aller se faire un pistolet. On va voir ce que ça donne. Chaque fois que tu retournes dans le Javelin, les ressources que tu transportes sont automatiquement entreposées à bord. À l'inverse,
que tu déposes au pied du javelin, il restera jusqu'à ce que tu le récupères. Ok. De viande, de graisse et de cartilage finissent toujours aux poubelles. Quelle perte! Ou pire! Ok, voyons un truc. Ok, les vidéos qu'on voit sont stockées ici. Au pire, on pourra les regarder plus tard, si jamais. Ok, donc l'imprimante fait fabriquer le pistolet nomade. Alors, voyons voir. Général, non, arme. Ok, objet. Ceinture utilitaire de base, équipement... Combinaison spatiale standard, sac à dos, ok. Visière intelligente, ok. Donc le pistolet. Un pistolet plasma, tout ce qu'il y a de plus normal. Tire bien droit et tu rentreras chez toi. Maintien pour viser, tirer, recharger. Ok, donc il nous en fallait 10. T'as une arme maintenant. L'outil le plus primordial, tout bon collant. Ok. Maintenant, il faut trouver la sortie des cavernes. Ok, ben on y retourne. Température ambiante, 50 degrés Celsius, biomarqueur nominaux. Ok, parfait, parfait. Alors attends, on va reprendre du bidule là. Ok, alors c'est par où? Est-ce que ça, je peux faire quelque chose avec? Ok, donc ça c'est bon, on les laisse tranquilles. Et donc ici, on va pouvoir casser ce qu'il y a là. Alors déjà, je vais essayer de leur mettre une claque pour voir si on peut le casser. Non. Ok. Ok, t'as des balles à l'infini ou comment ça se passe? Ok, c'est parfait. On va monter puisqu'il n'y a rien en bas. Hop là. Moi je trouve le jeu joli, hein, franchement. Hein. C'est quoi l'objectif déjà? Trouver la sortie des cavernes de glace à l'aide de ton arme. Tire plus cristaux égale liberté. Ok. Journey to the Savage Planet. Ouais, c'est bizarre. Non, ça. On va scanner voir ce que c'est. Ces choses. Les fruits de cette plante-là sont comestibles et légèrement hallucinogènes. Fac, vas-y, mollo. Ok. Et ça? Je viens de recevoir un message urgent de la part de notre PDG concernant la tour. Tu peux le consulter dans le module d'habitation. Reviens-moi dès que possible. Ok, un sac de graines métalliques. D'accord. On va scanner ce qui est autour de nous, juste 2 minutes avant de bouger. Ces œufs extraterrestres qui sont pas encore éclos font des super trampolines naturelles. Moralement douteux, oui. Efficace, ça c'est sûr. Ok. Champignons
Ok, et ça c'est... D'accord. Et ça c'était quoi ce cul-là? Non, mais franchement c'est joli, hein. Et j'imagine qu'on va devoir grimper en haut de cette tour. Alors, on nous a demandé de trouver l'alliage extraterrestre. Allons trouver cet alliage extraterrestre. Une fois que je l'aurai ramené, le système de réparation automatique du javelin se déclenchera et la première catégorie d'amélioration sera accessible. Donc ça, c'est une chose. Donc, explorer la planète, ok. Et chercher une source de carburant, ok. Donc, où se trouve notre objectif? Par ici, à 270 mètres. Je croyais qu'elle m'avait demandé de revenir à la navette, mais non, apparemment. Ok. Ok, on va avancer et voir ce qu'on peut trouver. Non. Oula, c'est quoi ça? Ok. Ici, j'ai vu. Peux-tu les scanner? Ça? Bon, juste au cas où massacrer les adultes, c'était pas assez sadique. Les oiseaux en forme d'œuf viennent généralement d'œufs en forme d'œuf. Ouais. Nid de globe. Les oiseaux, ok, d'accord. Quel était le 26 mètres? C'est pas cette chose ici là que j'avais vu depuis tout à l'heure? Scanner. Peut-être que si on mélangeait ce truc orange avec ta réserve d'oxygène, je pourrais modifier son effet sur toi et comme ça, tu supporterais mieux le climat local. Mais les effets à long terme sont inconnus. C'est à toi de décider si tu veux l'avaler. Est-ce que je suis obligé? Le blob orange est comestible et non toxique. Je m'en réjouis. Encore mieux, Echo et l'équipe scientifique sont convaincus qu'il possède des propriétés spéciales qui pourraient amplifier mes capacités physiques. Encore faut-il trouver le courage d'en avaler un. Ok, donc ça nous permet de gagner en santé par exemple. Ok. Alors est-ce qu'on a des points, des niveaux, des trucs comme ça? Donc là c'est continuer à en retrouver, d'accord? C'est comme des collectibles. Là c'est ce qu'on peut débloquer, j'imagine. D'accord, il faut trouver des éléments, j'imagine, ce genre de choses. Ok, il n'y a pas de niveau à ça, au proprement parler. Donc là c'est la planète, les ressources, la planète, la technologie, la flore, les créatures. Ok, bah c'est sympa. On va avancer encore un peu du coup. Hop là. Donc c'était par là qu'on devait aller. Pardon, merci. Bassin flou. C'est quoi, c'est méchant ça? Recharge, recharge. Ah ouais, je m'y attendais pas. Ok. Veine de carbone. Ouvre à grands coups de ce riche dépôt de carbone pour prendre les précieuses ressources. Ok. C'est bon? Parfait. Ici, on a quoi? On a un globe. Un blob, pardon. C'est bon, hein? Ok. Alors. Non, je me trompe toujours de touche. J'entrerai
Flolusque, d'accord. Un trou qui regorge d'un fluide corporel de flolusque, pas des excréments, l'autre. Ok, de la pisse. On a vu également qu'il y a un. Il y a ça là, et là, il y a ceci. Donc, comment ça marche? Ok, c'est simple. Ok, simple et efficace. D'accord. Alors, on va remonter. On va revenir ici chercher le blob. Voilà. Ah ok, on peut le casser, d'accord. Nouvelle zone. Les contrées verdoyantes de Zyl. Voyons voir. Ok. D'accord. D'accord. Ici, il n'y a rien. Non, ok. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est toi. J'ai un petit scanning à faire. T'es où? On les avait pas scannés? On va le faire. Il t'aime bien, on dirait Valet. D'accord. Faudra qu'on scanne les autres qu'on avait croisés au début. Alors, on avait une créature chelou il y a 30 secondes là. Voilà, c'est chaud. Pardon. Bête facilement effrayée ou effrayable, j'ai vu. J'aimerais bien pouvoir la retrouver pour la réanalyser. Là. C'est galère. Bête facilement effrayable. Mince, complètement inoffensive. Ok. Là, c'est de la santé. Ok. Donc notre objectif se trouve par là. On va continuer un peu. Allez. Ça, feuille de la canopée, ok. Un squelette. Autant pour moi. Statue imposante, qu'est-ce que c'est que ces créatures? J'espère que cette statue n'est pas à l'échelle. C'est sûr que. Mince, voilà. Ok, on va passer de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est par là, et je dois descendre? Ou est-ce que c'est en haut? On va aller voir ce qu'il y a. Dans ton journal, tu peux voir les missions actives et changer celles que tu veux suivre. Alors, voyons voir.
Ce monde est étrange et incohérent. De nombreux chemins que je souhaite emprunter sont bloqués par de vastes crevasses ou fossés. Ok, j'ai l'impression que la première amélioration que je devrais viser, ce sont les propulseurs autonomes. Donc bloqué, tu as besoin de propulseurs pour continuer. Ok. Donc, localise et prélève l'échantillon requis. Propulseur autonome, les cartographes ont découvert un échantillon adéquat sur la surface de la planète. Il ne me reste plus qu'à la récupérer et à le rapporter au Javelin. Ok. Alors, où est-ce qu'il se trouve ce petit truc? Il se trouverait par là. Devrais-je descendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc on va faire demi-tour. Voilà. On va revenir par là. On va récupérer donc l'objet en question qui doit se trouver à 40 mètres par ici. Allez. Vite. Allez, problème résolu. Est-ce qu'on récupère des choses là? Du silicium. Alors une seconde, parce que j'en ai tué un autre. L'autre aussi m'a laissé. Non, d'accord, il m'a rien donné. Alors, juste avant qu'on bouge, est-ce qu'il y a des choses à scanner dans la zone? Ouais. Ok. Ok. On dirait qu'il est tombé de la tour voisine depuis au moins 400 ans. Effigie ancienne. Là, c'est pour la vitalité. Ok. Et est-ce qu'on connaît cette chose là-bas? On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses par ici tant que nous y sommes? Ce serait pas mal de savoir. Ça, on l'a vu. Ok. On va avancer. Il y a ça là-bas. Un blob. On va aller le chercher. Et ça? Aluminium. On dirait une plante qui se serait ancrée à son environnement. Si t'as un grappin, c'est là que tu devrais le lancer. Je suis en train d'élaborer un schéma pour t'en fabriquer un. Ok. Donc, on a vu de l'aluminium qui était là-haut, ou je sais plus où. Là. Donc ça, est-ce qu'on peut aller... On peut grimper, on peut grimper. Ouais. Est-ce qu'on pourrait grimper? Non, je pense pas. D'accord, il nous faudrait le grappin. Donc ça, c'est une chose. Allez. On va récupérer tout ça. Même chose. J'aurais dû la scanner là aussi. Hop là. Veine de silicium, c'est pour nous. Merci. On trouve des trucs qui ressemblent à du caca extraterrestre. Toi, tu les ramasses. Bon, remarque, on pourrait s'en servir comme colle naturelle ou les lancer, non? C'est quoi ça? Ça, c'est la vie. Ok. Donc, il m'a l'air de rien avoir. Alors, l'objectif. Aller plus haut. Bloquer, tu as besoin. Non, hop, hop. Localise et prélève l'échantillon requis, propulseur au LALU. C'est moi ou il y avait une seconde. Non, c'est celui-là, d'accord. Bloqué, tu as besoin de propulseur, d'accord. Récompense sa tâche protonique. Cette planète est étrange à bien des niveaux, mais c'est physiquement qu'elle est le plus bizarre. Elle n'a pas l'air formée d'une seule masse terrestre homogène, mais plutôt d'une série d'îles et d'objets flottants dépareillés. Si je veux traverser ça sans problème, j'aurai besoin d'ajouter au moins un autre booster à mon propulseur. Et pour ça, je sais pas, il faut juste le propulseur autonome, d'accord.
Pulseur autonome, hein, c'est ça? Ouais. Alors, l'objectif se trouve à 50 mètres par là. Eh bien, on va aller voir ça. Cristaux géants de la folie. Alors, ça, c'est du silicium, je crois. Non, fleur à grappin. Ok. D'accord, on pourra grimper là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Son contenu. Elle contient quoi? Elle contient rien. Alors, par ici. Des buissons qui brillent, mais en plus paresseux. Ok. Grotte des merveilles scintillantes. On va passer par là. Ok. Il est gentil, lui. Maladif, mais il t'aime quand même. Ok, c'est bon alors. Vous voulez à manger? C'est quoi ça que j'ai des brides fielleuses? Ça sert à quoi exactement? Mystère. T'as faim? Attends, tiens, c'est cadeau. Allez, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose par ici? Donc là, non, c'est là où on pouvait arriver. Ok. Ok. Scanner. Ajoute du sel au goût. Ok. Hop là. Ensuite. Il y a plein de trucs à scanner, hein. Un regroupement de capsules bioluminescentes peut servir de balise de fortune. Oh, c'est quoi ça? Ok, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que ça fait ça si je le lance? Mais encore? Ouais, on dirait juste de la MERDE. D'accord, ça c'est pour y voir. Alors, est-ce qu'il y a un truc à scanner par ici? Non. Ok, alors redonne-moi mon truc là. Merci. Ok. Ah, d'accord, ça ralentit les ennemis. Ok. On peut passer là. On peut faire quoi d'autre? On peut aller là. Très bien. Ok. Alors, le pistolet, il a l'air infini, ce qui est pas mal. Donc, non, je crois que c'est bon, on n'en a pas besoin. Ok. Sanctuaire précaire. Comment je me débarrasse de cette chose? Voilà. Alors, eux, ils sont amis. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, grâce à ça, on pourrait faire quoi? Du carburant? Non, juste réparer. Ok. Alors, comment ça se passe? Je vais descendre, j'imagine. Voilà, très bien. Alors, ici, est-ce qu'il se passe des choses? Ça, on connaît. Tranquille. Hop là. Il faut qu'on aille, je suppose, en hauteur. Qu'on atteigne ça. Par là. Hop là. Hop là. Eh merde, j'ai pas vu le trou. Là, voilà. Parfait. Petit dérapage tranquille. Voilà.
Ici, il y a... Ah, ici, il y a... C'est quoi ça? De l'aluminium. Ok, c'est parfait. Ça, on peut rien en faire. Alors, appuie sur L en marchant vers l'avant pour courir. Ça, oui, d'accord. C'est oui, pour faire le saut. D'accord. Ok, ça s'est bien passé. Eh ben, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Récupérer le liquide noir. Ah ouais, pas mal la seringue. Eh ben, c'est nickel. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera donc ça la prochaine fois. Et je pense qu'on va pouvoir ressortir de la grotte. Peut-être que je ferai le retour en off. Enfin, on verra. Je ne sais pas si on peut sauvegarder ici. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une sauvegarde automatique ou quelque chose comme ça. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner pour voir la suite et bien sûr laisser un commentaire en bas de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très vite donc pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. C'est tout pour moi. Bye bye!